Bélier et ascendant Bélier, bonjour. Dans votre horoscope de ce mois d'octobre, nous avons évidemment le soleil en balance. Et la balance, c'est le signe qui vous fait face sur la roue du zodiaque. Il représente les autres, vos relations avec les autres, vos unions, vos associations, mais aussi les accords et les désaccords, évidemment, suivant les planètes qui s'y trouvent. Alors, donc, vous allez certainement avoir très souvent affaire aux autres, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée. On peut vous inviter du côté vie privée, vous pouvez avoir des invitations, des petites fêtes, vous voyez, des choses agréables comme ça, déjeuner entre copains, dîner avec des amis, enfin voilà, tout ce qui nous permet de nous réunir. Il y a un côté réunion avec la balance. Après le 23, eh bien, le soleil sera en scorpion, les amis. Alors, chez vous, pour vous, Bélier, c'est le signe de Mars, mais comme vous, comme le vôtre, mais un autre Mars, beaucoup plus intériorisé, c'est-à-dire que c'est votre volonté intérieure, votre force, votre détermination qui seront au premier plan pour écarter les obstacles, écarter tous les rivaux, adversaires que vous pouvez avoir sur votre route. Donc, ce sera une période où il faudra, bien évidemment, vous mobiliser à fond et vous dire que vous obtiendrez ce que vous voulez en restant très ferme et dans une forte détermination. Du côté de vos activités, évidemment, on va parler de Mars, qui, en début de mois, est en balance, donc vous demande un petit peu d'esprit de conciliation. On en a parlé avec le soleil, donc Mars encore plus, il faut faire attention, prendre un peu des gants, et ça s'adresse surtout au troisième décan. À partir du 12, Mars va rentrer en scorpion. Alors là, si vous voulez, Mars sera dans son signe, enfin un de ses deux signes, et va prendre évidemment beaucoup plus de valeur, de force. Et je vous parlais de force intérieure pour le soleil, et c'est pareil avec Mars. Si vous voulez, ça va être décuplé, tout ce côté détermination, volonté, de faire plier un petit peu les autres, à vos désirs, à vous. Au niveau des événements, c'est le secteur 8, le scorpion, donc forcément il sera question d'argent et vous allez avoir soit à réclamer une somme qu'on vous doit, soit à vendre quelque chose, peut-être vous séparer d'un objet ou de quelque chose qui vous appartient parce que vous avez besoin de faire rentrer de l'argent, de renouveler votre trésorerie qui est un peu à plat, la regonfler. Vous aurez, du pain sur la planche avec ce Mars en scorpion. On va terminer avec Vénus qui, enfin sort du lion. Bon, cela dit, elle était en bon aspect depuis le mois de juin pour vous, les béliers, et surtout pour le troisième décan. Mais elle rentre en vierge le 9. La vierge, vous le savez, c'est un signe un petit peu réservé, qui a des rituels, qui est très réfléchi, très cérébral. C'est vraiment le contraire du lion. Et je pense que ça va vraiment vous changer. Vous serez obligé d'être un petit peu plus attentionné avec les autres, de vous soucier des détails, des besoins de votre chérie, de vous mettre un petit peu à son service. En même temps, c'est le secteur du travail, donc on peut interpréter les choses d'une autre manière. On peut se dire qu'avec Vénus dans votre secteur du travail, ce que vous allez faire va vous plaire, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail qui également va vous plaire. Disons que tout ça restera quand même dans votre tête. On est dans le secteur 6, qui est un secteur cérébral, et la Vierge est un signe cérébral aussi. Donc, à mon avis,
Les petits coups de cœur que vous allez avoir, ça restera un petit peu dans votre tête. Maintenant, si vous êtes en couple, donc vraiment, je vous conseille d'être attentionné à l'écoute de l'autre, de ne pas foncer, vous voyez, hein, et aller de l'avant sans lui prendre la main et l'emmener avec vous. De bonnes journées, hein, le 4, le 9, le 18 et le 23. Ce sont des journées où la Lune sera en harmonie avec les autres planètes et où vous pourrez donc obtenir ce que vous voulez, où vous serez en position de force, on va dire. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre à tous. Si vous voulez nous retrouver en direct, c'est le mardi. Avec Zoé, bien évidemment. Vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux avec des petits posts hein, quotidiens sur notre site celastro.com et puis les consultations en toute discrétion au téléphone. L'adresse où vous pouvez nous écrire s'affiche. À très bientôt.